Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde partie de la session de Let's Survive sur The Long Dark. Donc on va continuer tout simplement là où on s'était arrêté la dernière fois. Et donc on était arrivé ici, on s'était abrité dans cette maison. Et donc on entend toujours le blizzard dehors. On va s'hydrater un petit peu, on va voir déjà ce dont on a besoin. On est soufflé, on a la gorge sèche et on a une petite faim. Et bien on va boire un coup. Qu'est-ce qu'on a? On a des pêches sirop. On peut manger ça. Nouveau boîte, c'est mieux. Donc là on voit l'utilité d'avoir un nouveau boîte, sinon on aurait galéré avec un couteau et risqué de la dévise. Voilà, et on va boire un coup. On va voir ça. Alors, on est hydraté, on est rassasié, on est à combien de calories? 2100 et quelques. On va pouvoir à la limite se coucher tout simplement. On va s'endormir un petit peu. Est-ce qu'on peut dormir sur le banc? Je ne sais pas. On va dormir dans un lit. Et ensuite on ira en exploration. On va dormir quoi, allez, 4 heures, on va gagner en chaleur en plus. 11 heures de jour, 10 heures de jour. Il nous reste donc 10 heures de jour avant d'atteindre la nuit évidemment. Donc on va regarder si on a besoin de changer de chaussettes. Non. On va action. On peut en faire du tissu. Voilà, et les chaussures, on avait dit, je crois qu'on n'avait pas besoin. C'est sensiblement le même. On va s'équiper celle-ci. Celle-ci, on va les jeter. Celle-ci aussi. Bon, le bonnet, on va le garder. Hein. Il n'est pas lourd spécialement. Ça, on va laisser ça là. Le pantalon, on n'en a pas besoin. Une bouteille d'eau, c'est toujours utile. On va récupérer un petit peu ce qui traîne et puis on va y aller. Des allumettes. Ah, un accélérant pour les feux. Donc ça va nous aider à réussir nos feux. Là on a ceci. Mieux que ce qu'on a déjà. Est-ce qu'on a besoin de fouiller tous les tiroirs? Je pense pas. I think I can use this. Ils sont quasiment tout percés. Ah, un manteau d'hiver. Je sais pas trop ce qu'on a sur le dos. Le bonnet. On peut le virer. Par contre le manteau. On a quelque chose. Too much stuff to carry. Ok, le gilet duveté a l'air mieux. Tac. Voilà. Bon, on va pas traîner là, on va avancer un petit peu dans notre exploration. Combustible pour lampe. Ça c'est cool. Je fouille un petit peu, ça m'embête de partir. On est quasiment plein de toute façon. Bon, on va y aller parce que sinon on va être... Le blizzard s'est calmé d'ailleurs. On va en profiter. Ah, voilà. Donc on a... Est-ce qu'on a tout pour faire du feu? J'ai l'impression que... Igloo? 15 bâtons, c'est bon ce tissu. Ah ouais. On va récupérer un petit peu de bois. Ça nous servira à alimenter les feux évidemment. Voilà, bon. Ça va finir par être plein avec tout ça. Ouais, un petit peu trop. On jette ça comme ça. Non. On est juste au niveau quoi.
course. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Oh, on a un lac gelé ici. On a un cerf qui est mort d'ailleurs dessus. Ah d'accord, c'est une maison qui a cramé. Pas de silhouette un peu louche. J'ai gelé. On récupère de la viande comme ça, ça fera un peu de nourriture. Par contre, évidemment, on est en surpoids. On va manger ça. Et on va voir. Voilà. Hop, on ferme le bizarre tout d'un coup. C'est pas possible ça. Toujours satané bizarre. Alors on va pas aller trop près du centre. On va rester sur le bord pour éviter que ça craque. Je pense qu'il y a un risque de chute dans l'eau, j'imagine. Donc là on est toujours plus proche de là où on a commencé tout simplement. On va suivre la route vers, vers la gauche. Comme ça. Mais on n'est pas abrité du vent. D'ailleurs on a très très froid, ce serait bien de trouver un abri, une voiture pour se réchauffer. Ouais. Si on court un petit peu, je ne sais pas du coup si ça, ça calme un peu le froid ou pas. Cold's making my head feel thick. Il y a une voiture, on va s'y abriter. Je pense que c'est mieux. Cartouche. This pack is getting kind of heavy. Ouais. Il est en train de dire que son sac est en train d'être lourd. On est à 31 sur 30. On a du combustible, mais non, on va garder combustible. On a 60 chances de réussite. On va mettre ça. On va essayer. Cuisine nature, on n'est pas. Ah, on peut les lire maintenant. On va attendre. On a un livre apparemment à lire. On cherche. Never felt so cold in my life. Ok, ouais, bon, c'est pas la peine. On va pas se mettre à lire ici. Puis tac, un petit feu. Ça. Allez. On croise les doigts pour que ça fonctionne. J'ai un peu peur que ce soit pas assez, 60%.
guerre là. Faut qu'on puisse se faire du feu parce que là on est gelé. On est archi gelé. Ça a l'air bien parti mais je sais pas trop si c'est si ou pas. C'est bon. Thank goodness for that. Voilà. Vous voyez que le feu va durer un certain temps, il augmente en température en plus, par contre il augmente pas beaucoup en température. Qu'est-ce que... Je sais pas ce que c'est que ces grandes tours là. Posé sur la glace, je sais pas du tout ce que ça peut être. Est-ce qu'on peut cuisiner quelque chose? Oh, il est moisi. Eh bien on va se contenter de ça. On a, enfin, mais on a de la viande cuite maintenant, du coup qui est... Si elle a été cuite, logiquement elle doit plus être trop nocive. On va bien voir. Si jamais on en meurt, tant pis. C'est les risques. Donc c'est quoi ça? C'est un truc bizarre posé sur l'eau. Ah, il y a des maisons là-bas, on va pouvoir s'y abriter. Pour l'instant on n'a pas vu d'animaux hostiles, donc c'est bien. On va essayer tranquillement. Légèrement fatigué tout à l'heure. Ok, une maison brûlée, j'espère qu'elle se passe. Non, je crois que celle-ci est bonne. Celle-ci est barricadée. Triage des armes, ok, c'est une lampe qu'on a déjà. Gilet isolé. That'll come in handy. On fera le tri après. I'm not sure I can carry much more. Voilà. Le cadavre. Heureusement, on va en croiser plein. Je sais quoi. Est-ce qu'on peut faire un feu ici? Évidemment, non. J'aurais tenté. Ah oui, on a baissé en charge maximale puisqu'on est fatigué. Et ben on va se coucher, j'ai envie de dire, on va dormir. On va dormir. 5 heures. Il nous restera une heure de jour malheureusement. Ça va être un peu embêtant. Ok, on est comment? On a soif. Bien, on a récupéré de quoi boire. On a, vous voyez qu'ici on a de l'eau salut, enfin voilà, imbuvable puisqu'elle n'a pas été bouillie. Celle-ci est bonne, on va la garder pour plus tard. Ça c'est quoi? Fusée de détresse. Ça c'est moisi, ça c'est frais. On peut garder ça un temps encore ou quoi? Je finis les caler le fond de la boîte, il ne sert à rien de garder ça. On va prendre ça. Ça suffit pour l'instant. Vous voyez qu'on est un sachet de thé et on va pouvoir
fer, on va pouvoir faire bouillir de l'eau, enfin voilà, faire 5 thés différents, 5 tasses de thé. Donc ça c'est pas mal aussi. C'est un petit conteneur mais avec pas mal de possibilités du coup. Mais du coup est-ce qu'on peut faire les recherches là? Tant qu'on est à l'abri, autant qu'on en profite. Ça fait trop sombre pour lire. Allez, maintenant c'est le la lumière qui est pas bonne. On a des fringues à jeter. Si ça sert pas. Ça on garde. On travaille du métal, est-ce qu'on a besoin de tout ça, je sais pas. On a deux sacs de couchage, mais ça nous sert à rien. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose de garder ça, hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une scie à métaux, d'un marteau lourd? On va garder pour l'instant, mais... ça va, la lune est bien pleine et bien basse aussi. On a soif de nouveau. Oh. Donc celle-ci a été barricadée bizarrement, je crois que ce qui s'est passé. L'habitant qui a voulu protéger sa maison sûrement. Récupère un peu de quoi de faire du feu si j'en ai besoin. 6800 calories. Bah, du coup on va re-suivre la route. Oh ça va, un kilo de plus, c'est pas énorme. En tout cas c'est bien calme pour l'instant, c'est rassurant. Profiter de la vue. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Dites-moi aussi si c'est une découverte pour vous, si c'est un jeu auquel vous n'avez jamais entendu parler ou pas. Même si je pense que vous avez dû en entendre parler un petit peu, il a fait un peu parler de lui, donc j'imagine que c'est pas un inconnu pour vous. Enfin, dites-le moi si jamais c'est une découverte. Ça me fera toujours plaisir de savoir que voilà, il y a ce genre de jeu. Toujours en découvrir, quoi, c'est que vous... Bon, on va essayer de monter, j'ai vu qu'il y a un chemin là-haut, je sais pas trop où ça nous mène, mais c'est de... Je sais qu'il y a des mines, on peut aller voir à la limite explorer une mine, on va voir à l'intérieur de la voiture, il y a... des fois il y a une arme, là j'aimerais bien avoir une arme. Dépecer vos 3 volume 1. This will come in handy. Ah c'est bien, on peut même pas l'atteindre. Toujours est-il qu'il n'y a pas d'armes, on s'en fout. Un fusil, ce sera rassurant. C'est surtout qu'on a quelques balles, non? Où est-ce qu'elles sont? Il paraît que récupérer des balles. Elles sont peut-être pas visibles dans l'inventaire. Je sais pas où est le chemin pour accéder en haut. Ça, nos stats sont pas trop mal, on est plutôt bien. On va arrêter de récolter du bois sinon on va être coulé sous le poids. Je le trouve très...
très bien fait ce jeu. Il y a une DA assez particulière, mais c'est quand même assez sympa. Il y a quelque chose là-bas devant la forêt, là-bas la maison. On va pas voir ce que c'est. J'ai froid. Pourtant, on dirait qu'il hurlote la mort. Ah, d'autres maisons. On va aller voir un petit peu s'il y a bruité du froid aussi. Ah, là on est dans un village de pêcheurs. Dans un hameau en tout cas. Camp de pêche. Oh, il ne traîne pas trop dehors, hein, s'il vous plaît. Voilà, on va pouvoir dormir, peut-être à la limite. Leur façon d'allumer, du coup maintenant c'est plus aussi pas tricher comme avant. Hope nobody needs this anymore. Et on n'avait pas des charges jusque là. Voilà. De plus une caisse qui ne sert à rien, c'est juste pour faire du bois trop plein. Allez, y a pas une petite cheminée. Tisane qui pèse quasiment rien. Eh bien, on peut dormir un petit peu. Il nous reste 9 heures de nuit, on va dormir 4 heures. Comme ça on aura plus beaucoup de temps avant le lever du jour. Un jour 10h et 10 minutes. On est déshydraté. On va voir. Traite un litre d'eau d'eau potable. On a quasiment rien. On va essayer de faire un feu dehors. D'ailleurs oui, dans les commentaires, si vous avez des conseils également, si vous connaissez mieux le jeu que moi, puisque moi je le connais pas, voilà, pas énormément. Si vous avez des conseils, n'hésitez vraiment pas à les mettre dans les commentaires. Hein. Moi je les prendrai en compte pour la prochaine vidéo. Et y a pas de souci là-dessus, je le prendrai pas mal. À voir, ce serait bien. On va pas se taper un feu dehors à ce temps-là. Ça, bois de récup, ce serait bien, mais je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, je vous vois à peu près, mais il n'y a pas de cheminée dans cette petite. À moins qu'on prenne le bois de récup, on va se faire un feu à l'abri. Si on trouve un abri du vent. Est-ce qu'entre les deux là on pourrait. Ah, les palettes pour les couper. Voilà, là, on pourrait purer de quoi. Ici on est à l'abri du vent, on va essayer de se faire un petit feu. Hop. Et on peut pas évidemment. Bah ici, non. Ici on est à la bonne. Sur de la glace, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est un peu dangereux tout ça, mais on va utiliser un accélérant comme ça.
80%, il va tenir 30 minutes. Vous savez, des rapides, c'est bon. That should help warm things up. Donc là, on va ajouter du combustible, on va faire fondre de la neige, 1 litre. Voilà, là du coup on a pas mal d'eau potable, on va faire bouillir l'eau. L'objectif là c'est de faire un maximum d'eau potable. Le but c'est de garder ça, bah voilà, faut pas que ça atteigne zéro évidemment. On va mettre un lit, tiens. Tac. En fait, on va encore... Parce qu'à la limite, ce que je peux faire là, c'est faire fondre un maximum d'eau. Même si elle n'est pas potable, comme ça ensuite, on pourra faire fondre, enfin, faire bouillir l'eau même plus tard si on a besoin. Là, on va essayer de... Ça reste la bombe qu'il a fait. On surveille tout le projet. On est à 4 litres. On va faire quelques tisanes. On va faire des tisanes aussi, comme ça on aura quelques tasses. Je crois que la tisane ça réchauffe. On a 5 tisanes par boîte, on a 2 boîtes donc on a du stock. Peut-être pas en faire trop d'ailleurs. Je sais pas si on meurt direct, je sais pas trop comment ça se passe dans ces cas-là, je me souviens plus. Là, allez. 3 tisanes et on est pareil. Là on va faire encore de neige. Et ensuite ce sera bon. Voilà. Bon bah on va faire bouillir de l'eau, enfin de faire fondre de la neige tant qu'on a encore un peu de feu. Et ce sera bon. Voilà. Tac. Donc là on est paré niveau flotte. S'abriter dans la maison qui est à côté, puis on va arrêter là. Hop. Donc là il fait jour, il reste moins d'une heure de nuit, ça c'est très bien. On va se coucher et on va arrêter là. Voilà, petite sauvegarde qui tombe très bien. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des avis, enfin voilà, des réactions. Encore et surtout, si vous avez des conseils sur voilà, la façon de survivre le mieux, de gérer au mieux la boisson, la nourriture. Si vous savez aussi le temps de... Que mettre la, par exemple là j'ai de la viande cuite, combien de temps est-ce que, ça se trouve elle est déjà moisie, je ne sais pas, combien de temps est-ce que ça met à peu près, combien d'heures, combien de jours, je sais pas, pour moisir, histoire d'avoir une idée un petit peu pour la manger assez rapidement. Enfin voilà, si vous avez des petits détails comme ça, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo et puis les autres d'avant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez aimé cette vidéo, comme je viens de le dire, ou d'autres vidéos sur la chaîne et la chaîne en général, n'hésitez pas à vous abonner.
N'hésitez pas à partager également. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour la suite de cette session, pour d'autres vidéos. Ciao ciao!